Ces boîtes Amazon derrière moi sont des colis abandonnés par des gens comme toi. Et on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Comme par exemple celui-ci. Attends, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un Ninjago. En vrai, c'est incroyable. Ça, les gars, ça coûte environ 20 euros. Donc, tous ces colis, les gars, que vous voyez, m'ont coûté environ 1000 euros. Et on va voir combien on peut se faire en les revendant. Il faut savoir que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, car ce sont des colis abandonnés, ce sont des boîtes mystères. En vrai, les gars, le Ninjago, moi, je trouve ça incroyable. Revenez en fin de vidéo, je l'aurai monté, je vous montrerai à quoi il ressemble. Ok, les gars, on va passer au prochain colis. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, attention, les gars, il y a tout simplement. C'est quoi ça, les gars? C'est une paire de menottes? Mais what the fuck, les gars? Qui va vouloir se menotter? Attends, frérot, ma main rentre même pas. Bon, les gars, ça, on peut en tirer, je pense, 5 euros. Sur 1000 euros, ça fait pas beaucoup. Hein. Ok, les gars, on va passer au prochain colis. Je pense qu'on va ouvrir d'abord les plus petits et ensuite on va aller sur les plus grands, les gars. Donc là, on va ouvrir ça. Hop là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, on a plusieurs trucs à l'intérieur, les gars. Donc déjà, on a. C'est quoi ça? C'est un pistolet? Les gars, c'est un pistolet élastique. Donc attendez, on va tester. Donc ça, pareil, les gars, ça doit coûter environ 10-15 euros. Donc, attendez, ça marche comment? Là on a le pistolet, ok. Là on a les élastiques. J'aurais les gars, si j'avais eu ça en classe, ça aurait été incroyable. Attends, ça marche comment? Les gars, vous ouvrez, vous mettez l'élastique à l'intérieur. Tu refermes là. Et normalement, si je tire, attention. Abonne-toi. Oh. En vrai les gars, c'est pas mal, ça sert vraiment à rien. Et les petits pistolets élastiques, ça va coûter environ 15 euros. J'avais un deuxième objet les gars à l'intérieur. On va voir ce que c'est. What? C'est quoi ça? Ah les gars, c'est pour filtrer l'eau. Les gars, c'est tout simplement un filtreur d'eau. Ça, ça doit coûter environ 15 euros aussi. On testera, les gars, plus tard dans la vidéo pour voir si de l'eau dégueulasse, on peut la boire avec ça. En vrai, les gars, j'ai envie de passer un colis un peu plus gros. Et lui, les gars, depuis tout à l'heure, il m'attire, les gars. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, attention. C'est un gilet pare-balles. Les gars, ça, ça doit coûter au moins 50 euros, hein, si je dis pas de bêtises. On va l'essayer, les gars. Ça fait chaud. Hop. Les gars, je suis bloqué. J'y arrive pas. Ça va? Les gars, petit souci. Ok, les gars, on a finalement réussi à mettre le petit gilet pare-balles. Donc, faut savoir que ce truc est censé arrêter les balles. Bon, niveau de la taille, je suis pas si sûr. Par contre, il y a une dinguerie avec ce gilet pare-balles, les gars. Parce que lui, il coûte assez cher déjà. On est sur du 40 euros, je dirais. Regardez, je peux ouvrir. Et en fait, là, bah, je peux mettre des trucs et tout, tu vois. Mais surtout, la dinguerie, les gars, c'est qu'à l'intérieur du gilet pare-balles, juste ici, les gars, il y a des plaques de Kevlar, les gars, comme dans Warzone. Regardez, les gars, il y a les petites plaques qui sont censées arrêter les balles. On testera en fin de vidéo, les gars, pour voir si ça arrête vraiment les balles. Du coup, les gars, restez jusqu'à la fin. On essaiera tout à l'heure. Pour l'instant, les gars, on est très très loin du compte des 1000 euros, mais il reste encore beaucoup de colis et on va enchaîner avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis, les gars? J'espère qu'il y a un bon truc qui coûte cher. C'est quoi ça? Alors ça, je connais même pas le prix de ce que c'est, les gars, honnêtement. Oh, c'est un truc de Kono. Un truc de Naruto, c'est quoi? C'est des kunai. Oh, c'est incroyable, les gars, ça coûte environ 10 euros. En vrai, les gars, c'est des kunai. Et tu peux te battre avec ça, genre tu peux les lancer avec un là. Les gars, là, on va passer un colis un peu plus en dessous. Ça va être celui-là, parce qu'il y a des colis en bas qu'on a vraiment pas touché. On va ouvrir, les gars, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, attends. Ça a l'air incroyable. Wow, les gars, il y a plein de trucs dans ce colis. Magic slime, les gars. Ça fait environ 10 euros. En fait, il n'y a que des trucs à 10 euros ou quoi? Ça, c'est quoi? C'est juste du slime. Ok, les gars, c'est du slime. J'ai pas envie de me salir les mains. C'est incroyable, les gars. Il est jamais les prêts. Toujours kawaii. Ok, donc ça, les gars, ça coûte environ 10 euros. Il y a un deuxième truc de slime à l'intérieur. Cette fois-ci, il est en rose fluo. Donc, hyper stylé. Oh, les gars, on a un masque. Vous allez reconnaître ce masque. Vous êtes prêts? Hop là, on est dans Squid Game ou... Ok les gars, donc petit masque de Squid Game, ça c'est pareil, on est sur les 15 euros. Pour l'instant les gars, regardez, on a ouvert 5 euros de colis les gars, mais on est très très loin des 1000 euros pour l'instant, ça me fait assez peur, mais il reste encore beaucoup de colis. Ok les gars, donc le dernier truc qu'il y a à l'intérieur, c'est tout simplement un petit rouleau. On va ouvrir les gars, il est très fragile à l'intérieur. En fait, juste un rouleau avec des stickers fragiles. Hop là, j'en colle un sur le cadreur, c'est un fragile. Il a pas trop rigolé. Ok les gars, là c'est le cadreur qui va choisir, on ouvre lequel? Ok les gars, là c'est le cadreur qui va choisir, on ouvre lequel frérot? Celui-là? Allez, c'est parti. Allez, on ouvre celui-là. Celui-là c'est un assez petit colis. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a tout simplement les 48 lois du pouvoir. Ok, c'est indiqué, c'est un livre, 10 balles, allez hop. Ok, cette fois-ci je te laisse une deuxième chance, un truc un peu mieux qu'un livre s'il te plaît. Tu veux qu'on ouvre lequel? Celui-là? Allez. Celui-là, mais attends, mais purée, il y a trop de trucs au-dessus là. Allez, on va enlever ça. On va enlever celle-là. Wow, c'est hyper lourd, on doit avoir des trucs de malade à l'intérieur. Là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Souple là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tout simplement, Happy Baby Balloons. En fait, c'est des ballons à jeter sur les gens. Mais je les avais déjà testés dans une vidéo, celle-là. Et ça coûte environ 10 euros. Ok, les gars, je viens de prendre le colis. Et celui-là, les gars, il va rester hyper, hyper, hyper lourd. Du coup, les gars, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ouvrir. Parce que les colis lourds, en général, ça sent très, très bon, mec. Attention. Hop là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Ok, les gars, attention. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'espère que cette fois-ci, ça, je vais être rentable. Parce que là, j'en ai un peu marre, les gars. Il y a une boîte de destinée radieuse, les gars. Attends. Les gars, les destinées radieuses, c'est là où on peut avoir le drac au feu. C'est le drac au feu, les gars. Attends, il y a combien de boosters à l'intérieur? Les gars, regardez, c'est des destinées radieuses. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, les gars. Let's go. En sachant qu'un booster coûte environ 10, 11 euros. C'est-à-dire que là, on a plus 200 euros dans la cagnotte. Let's go. En sachant aussi que la boîte peut se revendre. Mais les gars, vous savez que tous les boosters comme ça, ça coûte 200 euros. Mais si on tombe sur un drac au feu, les gars, on peut avoir ici ce drac au feu là, les gars. Juste la carte coûte 300 euros. Et ce qu'on va faire, les gars, on va le faire plus tard dans la vidéo. Mais on va ouvrir les boosters pour voir si ça va me rapporter plus que 200 euros ou pas. Ok, les gars, prochain colis, ça va être celui-là. Il est déjà un peu ouvert d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a des petites lunettes. Ça coûte 20 euros. Je les avais vues, les gars, sur Amazon, celle-là. À un moment, j'ai failli les prendre. En fait, c'est des lunettes pour faire du vélo. Mais je crois qu'elles sont fashion de fou malade, les gars. Ok, il y a un petit délire, les gars. Tu classes ou pas? Ouais, ok, ça mérite un gros pouce bleu, les gars. Ok, deuxième truc qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est des lunettes pour faire du vélo, les gars. Deuxième truc qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi ce truc de malade, les gars? Ah, ok, les gars, c'est les trucs où tu fais ça. En fait, les gars, il y a deux petits trous à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Et c'est pour mettre son pouce ici, et tu vas tirer avec la queue. Et quand tu vas faire ça, ok, prépare-toi, tu vas pouvoir... Ok... C'est nul. Ok, les gars, on va passer au prochain colis, étiquette fragile. Bon, c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure, vous en doutez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis? Ok, les gars, pour l'instant, on est environ à 300-400 euros sur les 1000 euros. Il reste encore beaucoup de colis, du coup, je suis un peu rassuré. Hop là. Non, là, c'est une dinguerie de malade. Ok, les gars, alors le premier truc qu'on a, c'est le DJI Osmo Mobile 2. Donc ça, c'est un stabilisateur pour téléphone. Après, c'est le 2. Je sais qu'aujourd'hui, le DJI, ils sont au 5 ou au 6. À l'époque, ça coûtait dans les 200 euros. Mais là, on va dire, c'est dans les 150 euros en plus dans la cagnotte. Let's go! On va essayer de le revendre, les gars. Ça me fait 150 euros en plus. Donc ça, c'est carré. Et le deuxième truc, les gars, c'est des AirPods. Les gars, des AirPods. Ah non, mais en fait, les gars, c'est la première génération des AirPods. Ça doit coûter genre 80 euros maintenant. On est dans les 600 euros sur les 1000 euros de la cagnotte, les gars. Pour l'instant, ça sent bon pour mes mystery box. C'est quoi? C'est un jeu d'échecs ou c'est comment? Ok, on va voir, les gars, ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, vous pensez que c'est quoi, les gars, à l'intérieur? Attends, c'est quoi? C'est un mini golf? C'est incroyable. Ah, mais c'est un stylo, les gars. C'est un mini golf stylo qui est portable. Genre, attendez, donc là, en gros, on va déjà faire nos petits golfs. Ok, donc là, normalement, tu mets ça là. Bon, ok, les gars, là on a les balles. Let's go! Let's go! Par contre, les gars, il y avait un stylo à l'intérieur, j'ai pas compris. Regardez, si j'ouvre, les gars, il y a tout simplement une mine de stylo à l'intérieur. Donc en fait, c'est un mini golf et c'est aussi des. Ah, ok! En fait, si c'est des golfs, les gars, ça c'est hyper stylé. Donc si t'es en cours, t'es là, t'arrives, tu peux jouer au mini golf comme ça avec ton petit terrain et tout, tu vois. Et en plus de ça, si la prof te demande, oui, tu fais quoi? Tu dis, mais madame, c'est un stylo, regardez, je peux écrire avec. Et normalement, si j'écris avec, et ben on peut simplement écrire. Et il y a les trois couleurs, les gars, il y a le rouge, on peut voir ici. Le bleu et le noir. Ça, il y en a pour au moins 30 euros, je pense, hein, parce que c'est du vrai métal. Ok, donc un autre booster Pokémon. Donc ça coûte 10 euros. Du coup, celui-là, les gars, on va l'ouvrir parce que celui-là, il est moins rare. Les autres qui sont là, les gars, on les ouvrira un peu plus tard dans la vidéo. On va ouvrir comme ça ici, les gars. Et on va faire le petit mélange. Hop, les gars, le code pour ceux qui veulent. Est-ce qu'on va avoir une carte rare ou pas? Bon, on a juste eu des shiny, c'est vraiment pas ouf. Putain, des cartes nulles. Ok, les gars, prochain colis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il est très très léger, celui-là, donc je crois qu'il y a un truc de fou à l'intérieur. On va ouvrir. Oh! En vrai, c'est pas... Les gars, c'est une peluche. Ça doit coûter, je pense, 10-20 euros, les gars. Par contre, il a le Covid, là, c'est déjà. Ok. D'ailleurs, les gars, grosse dédicace aux dernières personnes qui viennent de s'abonner. Si tu veux ta dédicace, frérot, dans la prochaine vidéo, abonne-toi avec la cloche des notifs. Ok, les gars, prochain colis, on va ouvrir encore le petit truc. Pour l'instant, les gars, les 1000 euros, il nous manque environ 400 euros pour les atteindre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, on a tout simplement un autre livre qui s'appelle Influence et Manipulation, comprendre et maîtriser les mécanismes de persécution. Oh, les gars, ce colis est hyper, hyper lourd. Attends, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis? On va ouvrir, les gars. Alors. Qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur? Je te jure, mec, c'est hyper lourd. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais dépasser les 1000 euros ou pas. Ok, c'est de la pâte à modeler, les gars.
bon, on a genre 1 kg de pâte à modeler. En vrai, je pense que la pâte à modeler 1 kg, ça doit être assez cher. On en a, je pense, environ pour 25€. Ok, donc 25€ de pâte à modeler. Il y avait deux colis qui étaient exactement pareils. On va les ouvrir vite fait pour voir si c'est la même chose ou pas. 50€, les gars. Les gars, on a tout simplement un Blazed Poppers. Un Poppers? Ok, les gars, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, on a un gun ici, un premier. On a tout simplement un deuxième. Vous avez chacun vos munitions, donc ça, c'est cool. Ok, on la met là, les gars, je crois. Ou peut-être faut juste la mettre comme ça devant. Attends, on va voir. Ok, fallait juste la déposer, les gars. Mais du coup, si je la dépose, c'est sympa. Ok, attention. Je vais essayer d'envoyer avec de la force. Ok, les gars, on a la solution. C'est une dinguerie. En fait, la boue, faut vraiment mettre de la force pour la rentrer à l'intérieur comme ça. Et une fois qu'elle est là, les gars, préparez-vous parce que c'est très très puissant. T'es prêt? Prépare-toi, tu te fais devoir aller vite. Hein. C'est une dinguerie, les gars. En fait, c'est hyper puissant. Il y a beaucoup de pression. Les gars, on doit être à environ 700€. Je dois pouvoir, dans ces colis, les gars, trouver au moins 300€. Donc ça, on sait que c'est un jeu parce que ça vient de Hasbro. Hasbro, les gars, c'est un truc de jouet. J'espère qu'il y a un bon truc à l'intérieur. Mais frérot, c'est encore de la pâte à modeler. Mais vous voulez que je fasse quoi avec toute cette pâte à modeler, les gars? On va en ajouter 50€ en plus. Voilà, la pâte à modeler, ça coûte cher. Surtout, en plus, c'est la Play-Doh. Et c'est la marque qui coûte cher. C'est la vraie marque de pâte à modeler. Du coup, en vrai, les gars, au lieu de la revendre, peut-être qu'on se fera une vidéo avec la pâte à modeler, genre qui fait la meilleure construction ou quoi. Si vous voulez une vidéo comme ça, les gars, n'hésitez pas à liker. Et dites-moi en commentaire, vous voulez qui comme invité. Ok, les gars, on va voir ce colis. Ça, c'est trop bien sur Amazon. T'as juste à faire ça, hop, et ça ouvre le colis. Quoi, je suis un guerrier, moi, je vais aller faire la guerre. Ok. Oh, c'est incroyable, les gars. En fait, c'est pour se faire des auto-massages. En fait, imagine, t'es trop musclé comme moi. Et, ah, je peux pas toucher mon dos, je suis trop musclé, les gars. Oh là. Et ben, en fait, hop, tu prends ça et tu fais comme ça. Ok, les gars, donc je pense qu'on en a pour 10-15€ en plus. Ah, ok, regardez, là, il y a un Mac et en fait, c'est pour couvrir la caméra de son Mac. Ok, pour pas que les gens nous espionnent. Call of Duty, Cash, Stay, Flashlight. Donc, oh, les gars, c'est une lampe torche Call of Duty. Attends, c'est incroyable, ils ont pas donné les piles avec. Je peux pas l'allumer, malheureusement, mais du coup, petite lampe torche Call of Duty. 20€ en plus. Ça, c'est un trépied pour caméra, les gars. Ça, je connais les prix, c'est environ 50€, donc ça, c'est cool. On est à 800€ environ dans la cagnotte, ou même un peu plus, si je dis pas de bêtises. Et on a, what the fuck, viens voir. Et les gars, on a tout simplement une paire de Nike. Donc ça, c'est cool, parce que les paires de Nike, c'est minimum 100€. S'il y a une bonne paire à l'intérieur, la vidéo est remboursée à 1000%. Je vais ouvrir la paire, et tu me dis si une paire de malade ou pas. Ok? Ok. Ok, attention. C'est une bonne paire ou pas? C'est une paire de malade. Elle coûte cher? Très cher. Oh, c'est les Travis Scott! Elle coûte pas genre 2000€? Plus sympa. Plus que 2000€? Mais attends, mais est-ce que c'est des vrais? Les gars, dites-moi en commentaire si vous connaissez en sneakers si c'est des vrais Travis Scott ou pas. Parce que si c'est des vrais Travis Scott, en vrai, la vidéo a remboursé à 1000% et on ajoute 2000€ à la cagnotte. Ça veut dire qu'on passe les 2500€ et que donc mes 1000€ sont remboursés. Celui-là? Allez. Ok, les gars. Celui-là, est-ce qu'on va avoir le Draco fait ou pas? Ouais, je suis un peu un ouvreur de... Ah non, mais je crois pas qu'on aura une grosse carte du coup, les gars, attention. Et non, les gars, malheureusement. Je veux mon Draco feu. Ok, tenez, pour ceux qui veulent. Allez, allez, un petit Draco feu. Pas pour l'instant. Petit trainer. Énergie. Mais non! Bon, malheureusement, les gars, pas de Draco feu. On verra les prochains, peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, les gars, si les Travis Scott, ce sont des vrais, on a remboursé et on a dépassé les 1000€ que j'ai investi dans tous les colis que vous avez vus. Faut savoir que c'était des boîtes mystères, je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'en gros, quand les gens abandonnent des colis et tout, on peut avec Amazon les racheter, donc ça, c'est super cool. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, les gars, abonnez-vous, likez. Je vous invite à cliquer et juste ici si vous voulez voir la vidéo où on joue des colis Amazon, les gars, qui ne devraient pas être vendus sur Amazon.